Bonsoir à tous. Oulou, nous tenons ça tout partout, Guadeloupe, hier soir. Toute Guadeloupe t'es qu'à résonner. En tout cas, à chaque fois, nous sommes très heureux, encore une fois, de vous présenter ce magazine qui est fait pour l'Euro, jusqu'à la finale de l'Euro. Ensuite, on se retrouvera peut-être une autre fois. On ne sait pas encore, mais pour l'instant, nous comptons. On vous parle de l'Euro, mais on parle aussi de la Gold Cup et on va parler avec nos invités. Nous avons beaucoup d'invités ce soir. L'émission, elle est prolongée jusqu'à 20h30. On aura deux mi-temps ce soir. Une première mi-temps consacrée à l'Euro, c'est tout de suite. Et la deuxième mi-temps, beaucoup plus longue, consacrée aux Guada Boys. Et avec pas mal de petites surprises pour vous, normalement, si tout se passe bien, en direct. Alors, pour tout cela, il faut une bonne équipe. Et nous avons réuni de bons coéquipiers. Alors, le premier n'est jamais venu encore ici. C'est la première fois qu'il vient, en tout cas, dans l'émission Rouleau. Parce qu'il Canal 10, on en a payé là. C'est le coach adjoint de la Juventus, c'est monsieur Gabi Troupé. Bonsoir. Bonsoir. Ou bien ? Merci, oui, ça va, tranquillement. Vous aussi, vous bien vibrez ? Ah, content et soulagé. C'est ça ? Oui, oui. On va en reparler. Et puis, il y en a un autre, alors lui, son chien boule, malade à football. C'est un artiste très connu en Guadeloupe. Les jeunes le connaissent, les moins jeunes aussi le connaissent. Il figure dans les chartes, on le connaît en France, on le connaît un petit peu partout. Et on est surtout content de le recevoir. Merci de nous faire ce plaisir, mon cher Mata. Ça va bien? Vous bien, vous, comment? Oui, ça va, au calme. Welcome, on sait que vous, son chien boule aussi. Ah oui, hein? Ah oui, j'aime ça. Tranquillement, juste à côté de toi, on ne le présente plus, hein, c'est mon coéquipier, mon acolyte, et c'est monsieur Davy Chatuan, qui est entrepreneur et qui représente aussi le Food Vive. Exact. Bonsoir à tous, et puis là, plateau très riche ce soir, donc j'espère qu'il y aura matière à débat, et que heureusement qu'il y a maintenant en prolongation en demi-heure, pour ça nous képer bien parler des Guada Boys et tout, et effectivement nous bien vibrer hier soir. C'est ça. Et on a vibré aussi monsieur Jérôme Joly, journaliste de Total Sport, qui nous fait le plaisir de revenir une seconde fois chez nous. Effectivement, on a bien vibré hier soir et j'ai crié Oulou. Après cette qualification historique, donc voilà, j'étais vraiment très heureux. Et voilà, je suis très heureux d'être là et dis bonsoir à vous et bonsoir aux invités. Alors celui qui est juste à tes côtés, juste à ta droite, son chien boule. Quand on nous dit émission là, ça c'est émission à chien boule. Là, là, son chien boule même. Et son chien boule sorti à 8000 km, son Guadeloupe, hein, mais qui travaille en bas là. Mais en bas là, ici, dans n'importe qui côté, chien boule. Qui a joué boule, qui a parlé des boules et qui a gardé boule tout le temps. Monsieur Eric, il est producteur et éditeur d'artistes. C'est quand même ça, d'abord sa fonction. Monsieur Eric Sia, bonsoir. Bonsoir Jimmy, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir tout le monde, roulons les Guada Boys, voilà. Bien, où il fait un bon moment payant. Bien là. Même. Alors, juste à côté, alors c'est le joueur, le capitaine, c'est celui qui, voilà, qui donne les ordres, qui prend aussi la gloire quand il y a gloire, mais qui prend aussi les coups des fois quand il y a des coups à prendre. Mais en football en premier, c'est la passion. Et c'est un vrai passionné. Il vient de la JEFC, c'est-à-dire Jeunesse Évolution Football Club, je suppose. Monsieur, pas je suppose, c'est ça même. Donc on reçoit monsieur Jordi Capé. Sous vos applaudissements, lui dans l'activité. Lui, hein. Capitaine. Hein, Lévi, il est en activité. OK. Non, et puis une dédicace aussi à tous les téléspectateurs et les auditeurs aussi, parce qu'en radio, tout pas tout le monde est capable de qui des Guada Boys. Mais je l'ai dit, ça c'est en deuxième partie de soirée. Alors on va commencer tout de suite. On va parler de l'Euro, bien sûr, demi-finale. Donc Angleterre contre le Danemark. L'Angleterre a battu le Danemark 2-1 après prolongation. Allez, qui veut se lancer? Davy, comment as-tu trouvé ce match? Mais enfin, moi, honnêtement, j'ai pas beaucoup regardé le match parce que je bossais, mais j'ai regardé toute la deuxième mi-temps. Et de ce que j'ai cru comprendre, la première mi-temps était plutôt danoise. Après, on a vu une équipe d'Angleterre qui a réagi très vite quand j'ai regardé un peu les résumés et les commentaires. Par contre, en deuxième mi-temps, l'Angleterre a largement dominé le Danemark. Ils étaient fatigués, je pense. Ce sur quoi on les encensait, on l'a moins vu. Donc, la débauche physique, l'intensité, etc. Donc, je pense que c'est logique que l'Angleterre gagne à la physionomie du match. Par contre, on voit quand même Harry Kane qui est quand même retrouvé. À noter que c'est lui qui fait la passe, qui crée le décalage sur le but le but contre son camp, qui fait l'égalisation. C'est lui qui crée le premier décalage. Et ensuite, son pénalty est arrêté, mais il suit et il met le but. Donc,
en tant que bon capitaine, il a ses responsabilités ce soir et on est content pour l'Angleterre. Alors, parmi ceux qui ont vu tout le match, ceux qui ont vu tout le match du début à la fin, alors comment sans faire aucune critique? Non, moi je. Ougaga a gagné la journée, Ougaga. Donc, oui, Eric, tu veux intervenir? En fait, moi, ce qui m'a impressionné dans cette demi-finale et d'une manière générale dans l'Euro, c'est le niveau, déjà le niveau physique et le niveau d'engagement et d'intensité des équipes. Et en plus de ça, concernant l'Angleterre, pour des joueurs qui ont beaucoup joué, qui ont joué longtemps dans leur club, je suis très impressionné par les jambes de feu de Sterling, qui créent des décalages en permanence. Yes. Dans les prolongations, c'est toujours ce qu'il faisait. Yes. Kane, enfin, se réveille parce que c'était difficile dans le lancement. Il y a Maguire qui est encore un mec, un vrai vaillant. Yes. Le milieu de terrain est très performant. Défensivement, le système défensif de l'Angleterre, je trouve ça discutable. Il y a pas, ils ont plus de top players que le Danemark, ce qui a fait la différence finalement, mais je trouve ça discutable. Et contre l'Italie, là, il y a déjà beaucoup plus de top players en Italie de pure classe. Et moi, je, pour lancer le débat, je mettrais quand même une pièce sur l'Italie plutôt que l'Angleterre. C'est ça, c'est la deuxième partie dans le débat. Mais Jordi, justement, toi, en tant que joueur, qu'est-ce qui t'a plu dans ce match et moins plu? En tout cas, ce qui t'a plu d'abord? Ben, déjà, on n'en parle pas trop souvent, mais les gardiens, j'aimerais faire une mention spéciale pour eux parce qu'il y a eu deux grands gardiens ce soir. Mm-hmm. Pickford et... Schmeichel. Exact. Franchement, ils ont été stratosphériques, on va dire. Et ben, sinon, dans l'ensemble, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact. Mais l'Angleterre, selon moi, mérite. Ils ont mis l'intensité, justement, pour pouvoir aller chercher cette qualification. Et ils vont en finale. Donc, je pense qu'on aura une belle finale. Coach, tactiquement, c'est un match qui vous a plu. Comment avez-vous jugé les deux équipes tactiquement? Alors, juger, analyser. Exact. Enfin, moi, d'abord, c'est pour moi, c'est la fin des évidences, hein, parce qu'on sait toujours, on a toujours pensé que, bon, l'Angleterre, c'était acté, que ça y est, ils allaient passer. Et le Danemark joue, et à la, déjà, ils galèrent défensivement, ils se sont beaucoup dépensés défensivement, mais à la récupération, ils jouent. Et le coup franc qui met extraordinaire, ah oui. Le gars, super OP et coup franc. Mais c'est surtout la fin des évidences. On a pensé que c'est bon, ils vont passer, c'est bon, ils seront là. Donc c'est surtout ça, l'intensité, tout le match. Et après, c'est une question d'état d'esprit. L'Angleterre, c'est la première fois qu'ils arrivent en finale. Le Danemark, pour eux, c'est que du bonus. Donc ils arrivent à un moment où, avec ce qui s'est passé avec Eriksen, donc tout ce qu'ils prennent, c'est bon. Donc je pense qu'à un moment, quand ils sentent qu'il y a 2-1, il y a péno, peut-être qu'ils lâchent un peu dans leur tête mentalement. Mais en tout cas, belle demi-finale, j'espère une belle finale aussi. Mmh. Mais surtout, c'est surtout ça. Moi, il n'y a plus de petites équipes, tout le monde joue. Enfin, on sait avec la Suisse. Ouais, et c'est surtout ça que moi, je retiens de l'Euro, c'est que tout le monde joue. Mata, qu'est-ce qui t'a plu dans ce match? Mais contrairement à ce que Devy a dit, je trouve que première mi-temps, l'Angleterre a dominé. Mmh. Je trouve qu'ils ont dominé en première mi-temps, ils ont dominé tout le match. Je pense que le coup franc, ça peut être joué dans le mental des Anglais. Bon, c'est peut-être parce que c'est pour ça qu'ils ont un peu équilibré un moment du match. Mais sinon, je trouve que l'Angleterre a mérité. Après, tout le monde a déjà résumé tout ce qu'on a dit, ce qui s'est passé dans le match. Je trouve que l'Angleterre a mérité. Je trouve qu'au début du match, ils n'avaient pas encore leur repère. Après, quand ils ont trouvé leur repère, ils ont mis en route, ils ont commencé à faire tourner, courir. Bon, ça allait beaucoup mieux. On a vu ça en deuxième mi-temps à la fin. Après, bon. Physiquement aussi, c'était mieux. Et ouais, aussi, le Danemark aussi, physiquement, ils étaient un peu inférieurs à l'Angleterre. Alors, je lance un petit débat dans le débat. Moi, quand je regarde cette équipe d'Angleterre, et je regardais, je dis, mais c'est France 2018. Tactiquement, quand je regarde l'équipe d'Angleterre, avec tous les talents qu'elle a, la façon dont elle joue beaucoup quand même grâce à Sterling. Moi, pour moi, Sterling, c'est le Mbappé de 2018. C'est pas un reproche, hein, attention. Et parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'entraîneur, le sélectionneur plutôt, Southgate, l'a dit. Il l'a dit durant l'Euro, que pour gagner cet Euro, lui, il veut faire comme Didier Deschamps. C'est-à-dire avoir un groupe, avoir un bloc bien solide et fonder ces attaques sur justement Sterling, Kane, comme faisait la France avec Mbappé, Giroud. Et j'ai eu l'impression vraiment de voir ça ces derniers temps et aujourd'hui plus que jamais. Ah oui, donc moi je veux dire que cette équipe anglaise, donc
j'ai pas vu l'ensemble du match, donc j'ai vu les quatre dernières minutes de la première période dominée par l'Angleterre. J'ai dit, ben, finalement, cette équipe anglaise, ils ont vraiment du football. Et là, ils ont fini par trop tirer le meilleur de cette génération avec des joueurs de grande qualité. Et comme l'a dit M. Sia, donc physique, Eric, donc physiquement, c'était impressionnant. On a retrouvé Sterling à la 119e minute, ouais. 100e minute, qui donne tout. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je ne comprends pas comment il arrive encore à... Ah oui, comment il arrive. Ah oui, sur le péno, il fait la même action juste avant. Il fait la même action. La répétition des efforts, c'est compliqué ça. Ah oui, il est très... Moi, depuis le début de l'Euro, c'est lui qui porte l'Angleterre. Si il n'était pas là, c'était lui. La clé, c'est lui. Là, franchement, qu'il continue à être comme ça en demi-finale. Tout le monde attendait Foden, les petits jeunes, là, tu sais. Tout le monde, c'est pas encore, c'est prêt encore, c'est pas encore. Non, mais c'est là que c'est impressionnant, c'est que le c'est banc, ouais, le c'est banc, la richesse. Ce sont des gars qui jouent partout. Ah ouais. Tu as Foden, tu as... Rashford n'a jamais joué. Rashford n'a jamais joué. L'Angleterre valorise aussi plus les joueurs qui vont au taquet. Tu vois, comparé à France, c'est un état 2018, comme tu dis, où il y avait plus de talents individuels. France 2018 était plus composé de talents individuels. L'Angleterre, c'est des talents individuels, mais pas dans la personnalité. Ils vont tous chercher à se comprendre, à travailler pour... C'est vraiment un collectif, ouais, qui est ensemble. C'est là où c'était la même chose en 2018 pour la France. C'était costaud, hein. Oui, mais c'est après la chercher la Coupe du Monde, les mecs. Oui, mais je trouve que la France... Je trouve qu'en 2018, la France avait des talents individuels, mais vraiment, qui faisaient la différence tout seul, individuellement. En Angleterre, ils font pas... À part Sterling, ils ont tous besoin l'un de l'autre pour avancer. C'est là où c'est très intéressant. On est en train de sortir du football où on remet tout à un ou deux joueurs et puis ainsi de suite. Les équipes qui jouent là, il n'y a pas de star, voilà, entre guillemets. Ce sont des vraies équipes, comme pour reprendre ce que disait le coach. Ce sont des vraies équipes, vraiment, où les gens sont solidaires, tout le monde travaille l'un pour l'autre. Idem en Italie ou autre, celles qui arrivent au bout, c'est ceux qui jouent en vraie équipe. C'est fini de se reposer sur un ou deux joueurs. Et surtout les équipes aussi qui sont composées de talents. Ben, elles sont toutes éliminées. Est-ce que tu as éliminé? On arrive en finale. On arrive en finale avec des équipes qui sont. Deux collectifs. Et bon, Moun Patik a misé en centimes. L'Italie, oui, parce qu'ils avaient une longue période avant. Non, c'est vrai, non. Oui, l'Italie, oui. On misait sur eux, mais on se disait peut-être que l'effectif était un peu jeune face à des nations comme la France, comme l'Allemagne, qui étaient des sortes d'ogres. On a vu que le groupe de la mort a fatigué toutes ces équipes-là qui ont Portugal, Allemagne, France. Mais concrètement, cette année, et Belgique, on a clairement vu des équipes jouent au football qui arrivent au bout. Alors que dans les compétitions de ce type, surtout en élimination directe, il y a souvent celui qui mérite un peu moins. Alors que là, tu as les deux nations qui jouent le plus au foot qui arrivent en finale. Au moins, c'est le respect du jeu. Exactement. Et si le Danemark aurait été en finale, personne n'aurait... Non, râlé non plus. Non. Tout était dans l'esprit. Le problème du Danemark, c'est qu'ils n'ont pas le banc de touche de l'Angleterre. Ils n'ont pas pu faire tourner. Ils ont pas pu faire tourner. Là, on l'a bien vu. Non, c'était la grosse cote de toute façon. Autant l'Angleterre faisait partie des favoris parce que avec les talents déjà qu'elle a, qui compose son équipe, ben déjà c'était bien, mais en plus à domicile et en ayant fait qu'un seul match à l'extérieur juste à côté en Italie. Bon, on n'en parle pas, mais bon, c'est important parce que t'es avantagé, quoi. Oui, voilà, parce que avant le match c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté dans l'émission, en tout cas Rouleau, c'est-à-dire les kilomètres parcourus par les Danois. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés quand même deux fois à 4000 km près de la frontière asiatique avec 4 heures de décalage. Donc c'est 2 fois 4, ça fait 8000, c'est Guadeloupe-Paris. Hein. Donc tu vois, avec le décalage horaire. Et donc je trouve, et si vous regardez bien quand même, je les ai trouvés, même s'ils étaient dominés, mais beaucoup plus toniques en première mi-temps, et ensuite ils subissent vraiment. Mais ça, c'est la fatigue du début de la compétition. Là. C'est un tout qui remonte, en fait. C'est ça. Parce que l'Angleterre envoie. Ouais. Ils veulent se qualifier. Parce que l'Angleterre ne jouait pas la prolongation. C'est ça. Même à la 95e, tu vois, ils ont envie. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Donc, ils étaient obligés d'être épuisés un moment et l'Angleterre a déroulé. Et le Danemark fait les 4000 km entre le quart de finale et la demi-finale.
l'Angleterre, qui joue effectivement en Angleterre, bon, voilà, c'est l'organisation, c'est comme ça. Il faut à noter qu'ils gagnaient 4-0 à la 65e, à la 60e minute en quart, et qu'ils font sortir Sterling, ils font sortir Grealish, je crois, qui sort à ce moment-là. Oui. C'est Grealish qui sort. Enfin, donc les mecs, t'as une demi-heure de moins dans les jambes, t'as pas fait les 4000 km. Enfin, naturellement, ce soir, je ne suis pas étonné. Enfin, ça, on l'avait dit que le Danemark serait De toute façon, est-ce qu'on avait envie de voir plus Italie-Danemark qu'Angleterre-Danemark? On parle des collectifs, mais il y a les deux coachs qui sont en finale, là, franchement. Exactement. Il n'y a rien à dire. Ils ont bien géré. Tactiquement. Ils ont tout le mérite d'être en finale. Tu sais ce qui est étonnant, c'est que tu seras anglais, les Anglais te disent « What ?» Parce que Southgate, comme Deschamps en 2018, est très, très, très critiqué en Angleterre. C'est ça, mais il a fait évoluer le football anglais, en tout cas. La sélection. Et puis en fait également, ce qui est fort intéressant, c'est qu'il a cassé des codes des grands clubs, il a monté un groupe et il s'y tient depuis longtemps avec une direction. Comme par hasard, les deux sélectionneurs qui ont créé un groupe depuis longtemps avec une stratégie de jeu et qui sont tenus depuis des années, c'est eux qui arrivent au bout. C'est ça. Parce que Mancini, je crois que c'est la même chose. C'est complètement la même chose. Luis Enrique aussi, il a fait des choix. Il a cassé le côté Barça-Real, ainsi de suite. Il a fait des choix et il est en train de reconstruire l'Espagne. Après, c'était facile pour Luis Enrique quand même, parce qu'il y a quand même un bon vivier au FC Séville, à l'Atlético Madrid pour alimenter son équipe. J'entends bien, voilà. Mais c'est pas si facile de dire il n'y a plus de Barça, il n'y a plus de Real. Non, ça je suis d'accord. Et moi, je suis le premier à avoir critiqué qu'il avait pris personne du Real. Après, c'est pas ce que je dis que c'est quand même facile d'aller vers autre chose que le Barça et le Real maintenant, parce qu'il y a d'autres équipes en Espagne. Gabi, tu voulais bien. Gabi, tu voulais compléter. D'Espagnol maintenant, ni au Real ni au Barça. C'est ça. C'est complètement d'accord avec toi. Ce sont deux coachs qui ont construit leur équipe depuis 2 ans. Ça fait penser à Aimé Jacquet en 98. C'est des gars qui ont construit leur équipe. Et c'est l'essentiel, c'est de fédérer autour d'un projet. Et quand je vois l'Italie espagnole, quand tu regardes le jeu, tu te dis, ben, c'est bon, l'Espagne passe. Mais les gars, je vois un gars comme Verratti, le gars... Ils courent, des gars sont là, ils travaillent. On sait pas le plus efficace. Ah non, mais Chiellini, pour moi, l'Italie aujourd'hui, parce que c'est souvent des épines dorsales, de Chiellini à Bonucci à Giorgino, c'est eux. Pour moi, c'est eux. Après, les autres, de Naoum, c'est eux, quoi. Sans vous freiner, vraiment. Après, on bascule vraiment. Je vous suis après. On bascule vraiment dans Italie-Angleterre. J'ai compris, Zoshou, tout ça. Mais juste une statistique qui est importante. Parce que, avant de vous donner la statistique, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous êtes étonné de voir que c'est Sterling qui a obtenu le pénalty? Est-ce que ça vous a étonné? C'est le seul attaquant de rupture avec l'Angleterre. Il provoque énormément. À la minute à laquelle ça s'est passé, je te dirais oui, puisqu'il y avait déjà Grealish, je crois Foden aussi était déjà sur le terrain. Et tu vois que c'est Sterling qui, dès le début, il est là, il continue. Ça peut étonner. Non, vous savez pourquoi je vous ai posé la question? Parce qu'il y a une statistique qui est très forte pour Sterling. C'est celui qui obtient le plus de pénalties en Première Ligue. C'est parce que changement d'appui. On voit qu'il ne s'affole jamais avec le ballon. D'ailleurs, on voit que c'est parce qu'il ne s'affole pas et qu'il tousse encore hein, qu'il y a la faute et le pénalty. Donc, c'est un joueur qui fait techniquement. T'as vu la faute? Elle est légère. Oui, elle est pratiquement inexistante. Ah non, mais Sterling, un coup de poing, il est par terre. Ouais. Non, on est d'accord. Le pénalty est largement contestable. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je vous ai mis la statistique. C'était pas sexy le Danemark en finale, hein, de toute façon. Après, moi je sais pas. Parce que l'Italie-Danemark, ça peut être un beau match avec une belle intensité aussi. Oui, ça ramène pas d'argent, ça brûle pas. Soyons bien d'accord. Est-ce que sans le pénalty, le Danemark aurait été qualifié? Avec il y aurait eu un beau duel de gardien parce que Michel sur les pénaux, il est très fort. Comme on l'a vu en prolongation, Sterling commence à accélérer, prendre corner, il freine. Tu vois, ils sont à 5 contre 3, ils freinent. Ils reviennent. Est-ce que dans les prolongations contre l'Italie et l'Espagne, tu aurais dit que l'Italie va passer? Non. Alors Italie-Angleterre, messieurs. Allez, un tour de table. On va commencer par Gabi. Favori, quel est ton favori à toi? Italie-Angleterre, qui va gagner selon toi? Alors, pour le coup, il y a des parieurs qui nous regardent. Tu as une lourde responsabilité. Franchement, pour le coup, ça sera... Le pronostic, ça sera un pronostic du cœur. Franchement,
Alors moi, pour le parcours, j'ai envie que l'Italie passe parce qu'ils ont vraiment mérité là où ils sont. Et ils ont vraiment, il y a une grosse, grosse équipe en termes de solidarité. Mais c'est un choix du cœur. Mais ça sera compliqué. Moi, je pense que ce match-là va aller au tir au but, comme tous les matchs de, enfin pratiquement tous les matchs de qualification depuis la 8e, depuis les 8e, mais je suis pour l'Italie parce que je suis parisien. C'est éliminé Paris, tu vois. Donc, non, je suis pour l'Italie. Parce que Mata, c'est un bouc qui aimait la victoire, qui aimait le beau jeu, on peut critiquer. Mais c'est pour gagner Paris. On pas du tout critiquer. On est content. On content que Mata. On pas content. Non, mais attends, il n'y a que des gars qui aiment vraiment le football. Non, les gars. Non, là, je vais me faire assassiner. Je ramène que des Parisiens sur le plateau. Non, blague à part, Italie, parce que pour le beau jeu, avec effectivement, moi, je redis hein, le côté, je remplace un joueur, j'en mets un autre. Ça, le jeu ne change pas. Ça s'intègre comme ça. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'équipe. Donc, l'Italie, déjà. Et puis, j'aurais bien aimé que Insigne Immobilier nous lâche une petite patate. Merveille. Tu vois, une petite patate là. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Et par contre, j'ai envie de voir un grand match de Sterling. Parce qu'il a été un très bon joueur de l'Euro. Donc j'aurais aimé voir un grand match de lui, pas qu'il passe à côté de sa finale. Un beau match, mais l'Italie vainqueur. Surtout avec Kane. Ouais. Kane, il a besoin de. Ouais. Les gars. Il y a-t-il un Anglais dans la salle? Donc, moi, personnellement, j'ai envie de te dire l'Italie, pourquoi? Parce que déjà, ils ont un sélectionneur qui a déjà gagné, qui sait ce que c'est gagner. Donc déjà, ça, c'est une chose très, très, très importante. En plus de ça, il y a beaucoup plus d'expérience au niveau de l'Italie. La star italienne va être confrontée, entre guillemets, aux deux boss italiens, Bonucci et Chiellini. Ça va être un match très, très, très difficile pour lui. Et les Italiens, ils gèrent beaucoup mieux les profondeurs et les passes dans le dos que toutes les équipes qu'ils ont rencontrées jusqu'à maintenant. Où Sterling, il fait des trucs où, tactiquement, à un moment donné, je ne sais pas s'il travaille en entraînement, mais tous ces appels dans le dos et dans la profondeur, dans le dos des défenseurs, ben c'est un classique, quoi. À un moment donné, il faut mettre des parades, quoi. Donc, je pense que Mancini va mettre les parades. Jérôme ? Une finale, ça ne joue pas, deux. Ça se gagne. Donc c'est une très belle finale entre deux belles sélections. C'est vrai, j'aurais bien aimé voir l'Italie sacrée, mais bon, après je pense que l'Angleterre va faire la différence. Par rapport à quoi tu dis ça? L'Angleterre. J'ai vu Jordi acquiescer aussi, donc après Jordi enchaînera après toi. Dans la salle. Non, mais en fait moi comme j'ai dit tout cœur, j'aurais bien voulu que l'Italie gagne cet Euro pour son parcours. Mais après, c'est vrai, monsieur Hugues parle de deux professeurs dans la défense. Donc, c'est exactement deux professeurs, deux très, très, très bons défenseurs. Mais je pense que la différence va se faire avec Raheem Sterling et Harry Kane. Jordi ? Je ne sais pas si c'est Sterling ou Kane. Il faut rappeler déjà que la finale est à Wembley. C'est en Angleterre. Donc il y aura une ferveur derrière les gars, ils seront transcendés. Une ferveur et une pression aussi. Aussi, ouais, c'est vrai. Après bon, je pense que ça va pencher pour l'Angleterre parce qu'ils sont déjà tout près du but. C'est vrai que l'Italie a les arguments pour, mais de toute façon, je pense que ça sera un match nul, ouais, tir au but et parce que ça sera très tactique. L'Italie ne va pas se livrer comme au début. L'Italie se livre au début, l'Angleterre revient, l'Italie expérience. Ils vont rester derrière. Ah oui, c'est sûr. Le premier, celui qui manque, je pense que ça va être difficile de remonter. Parce qu'on a souvent vu des finales se terminer aussi par un but à zéro. C'est ça, ouais. Petit score. Si l'Italie marque en premier, c'est fait. Ah ouais, c'est sûr. C'est l'expérience. On a dit pareil pour Italie-Espagne. Moi, pendant le match, je vous dis franchement, quand j'ai vu l'Italie marquer, j'ai dit, ah, c'est mort pour l'Espagne. Ça y est, Catenaccio, c'est fini. Et pourtant, c'est une grosse faute d'un joueur qui aurait dû sortir depuis longtemps quand même. Parce qu'il te fait les Champs-Élysées au milieu de terrain parce qu'il est plus en place, parce qu'il est mort. Clair. Donc, oui, mais c'est voilà quoi. Non, mais c'est une façon de dire quand même que rien n'est écrit. Effectivement, c'est le foot. Bien sûr. Non, on ne sait pas, c'est rien n'est figé, mais. Sachant que l'Italie peut supporter d'être dominée longtemps et finir par gagner, l'Angleterre, ce n'est pas une équipe qui peut supporter d'être dominée. Certainement pas là quand ils se sont mis à reculer à un moment donné dans les dernières minutes.
S'il y avait eu une bonne balle, un bon ballon, il le prenait le deuxième but. C'est pas une équipe qui sait défendre en reculant. D'ailleurs, l'Italie défend en avançant. C'est une grande différence. Et ça fait toute la différence de ce que peut faire l'Angleterre. Et d'ailleurs, je rejoins un peu l'analyse sur la défense de l'Angleterre. Tu en as parlé en tout début. C'est vrai que ce soir, elle n'était pas totale sécure. Donc face à une Italie un peu remuante et tout, c'est, tu vois... Sur la défense, je ne pense pas qu'ils puissent, tu vois, faire bloc bas s'ils marquent un but. Je pense que s'ils doivent continuer à jouer s'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Remarque, ils n'ont pas rencontré de grandes nations. C'est ça, c'est pour ça que je te dis que là, voilà. Quand tout leur parcours, c'est abordable. Ah, c'est ça. Entre guillemets. Donc et on va avoir face à des attaquants vraiment, comme tu as dit, des top players. C'est toujours dans le jeu, dans le dos de Stones et Maguire, ça ne se retourne pas facilement. Hein. C'est ça. C'est des grands gaillards. C'est des grands gaillards. Avant de retrouver la pub, je rappelle quand même pour l'Angleterre qu'elle a encaissé son premier but. Et comme je le dis toujours, au niveau visuel, sa défense paraît bancale, mais elle a encaissé qu'un but, et ce but, elle l'a pris sur un coup franc direct. Donc quand on regarde bien dans le jeu, elle n'a encore pris aucun but. Malgré qu'à chaque fois, ou qu'on voit qu'elle est du bout du pied, que... Bitez la bocale, j'avoue. Voilà, c'est ça. La réalité fait. Non, mais ça fonctionne. Coach, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et eux jouent sur leur attaque, donc ça fonctionne tant qu'ils ont le ballon. Défensivement, ils ont Walker. Ouais. On n'en parle pas, le gars fait une drop impressionnante. Oui. C'est sur un ballon, il y a un gars, il a 2 mètres d'avance, il revient. Oui. Chaque fois, dans le dos, il compense. Tu sais, il y a 2-3 fois, c'est lui qui compense, il sort dans son et il couvre pour tout le monde. Je suis tout à fait d'accord avec Gabi, parce que Walker, c'est un joueur que je suis particulièrement à Manchester City, et j'avais aimé son duel avec Mbappé. Il avait muselé Mbappé au niveau vitesse. On en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il fait. Il avait muselé et très belle. Ouais, bien vu. Il a fait une saison difficile quand même physiquement. Il revient mieux. C'est moi, je trouve que les Anglais ont fait des saisons difficiles physiquement. Ils sont là. Alors tous ceux qui ont des saisons difficiles, ils sont bien physiquement. Ils sont bien là. Avec la France, bah il était bien, tout ça et tout. Vous avez vu comment on vient de faire une mi-temps tellement nous passionnés, nous chiens bonnes. Eh bien les amis, nous obligés à arrêter parce que c'est l'heure de la pub. Rouleau, la seconde partie du magazine Rouleau. Je vous rappelle un magazine spécial aujourd'hui, puisque là maintenant, après avoir parlé en première mi-temps de la demi-finale Angleterre-Danemark, et on s'est projeté aussi sur la finale à venir entre l'Italie et l'Angleterre, et bien là, nous avons vu un pays en nous, tranquillement, nous avons parlé de football en nous, des sélections en nous, nous avons parlé de Guadeloupe contre Guatemala, de l'exploit des Guada Boys, et nous allons parler avec nos invités qui étaient déjà là. Je vous les présente de nouveau. Donc nous sommes avec M. Gabi Troupé, qui est le coach de adjoint de la Juventus de Sainte-Anne. Enchanté, bonjour encore. Voilà. Nous sommes aussi avec notre artiste national, international, Mr. Matai Chemboul. Bonsoir. Mr. Davy Chemboul, entrepreneur et je sais ça, j'ai aussi qu'à garder nous au CD Chemboul. C'est comme ça. Et Jérôme Joly, qui est journaliste à Total Sport, c'est un... Chien, boule. Mais là qu'on slame, c'est comme ça qu'on a fait. Matin connaître ça bien. Mon éditeur et producteur pour Eric Sear, c'est ton chien, boule. Alors, t'as là qu'un roi, moi, là, pas même parlé. Capitaine à jeunesse évolution, donc automatiquement, c'est un chien, boule. Voilà. Et pour vous présenter l'émission, voici un autre chien, boule. Finalement, l'émission s'appelle Chien, boule. Voilà, vous avez compris. Voilà, c'était ça l'ambiance. Là, nous, on parlait des Guada Boys. Vite là, on maniait, euphorique, nous content. Alors, c'est simple. On se replonge. Un petit sujet des journalistes de Canal 10. On se replonge. C'était hier soir. Notez bien. Regardez ça. On est heureux, on est heureux. On a quand même fait quelque chose de grand hier soir. Pour ma part, ça sera ma première Gold Cup. Et on a un groupe qui vit bien, on est bien, on a un staff incroyable, on mérite vraiment d'être à la suite de tout. Ben, on a énormément de qualité, on s'est fait confiance sur ce match. Ils avaient l'avantage d'avoir leur public. Nous, mentalement, on a tenu ensemble. On s'est encouragé durant tout le match, on est aussi notre niveau, hein. Et ça a payé. Ouais, c'est vrai que c'était. Sincèrement, c'est la première fois que je suis une séance de tir au but aussi longue. De là à tirer aussi, c'est la première fois de ma carrière que je tire à penalty. Pour moi, les penalties, c'est de la loterie et du coup, on va dire qu'on a tiré le bon numéro, tout simplement.
J'avais à cœur de au moins en arrêter un, tu vois, parce que c'était chaud quand même. Bon, après, j'en ai arrêté un, heureusement. Mais ouais, tu te dis qu'il faut essayer d'aider l'équipe et au moins d'en arrêter un. Et quand tu réussis à en faire au moins un, tu te dis, bon voilà, tu fais que la moitié du boulot parce que derrière, il fallait tirer aussi, enfin, en ce qui me concerne. Et voilà, mais franchement, non, c'est une très belle expérience et ça nous a souri, donc tant mieux. L'objectif quand même a été atteint. Maintenant, on va jouer vraiment libéré et on va tout donner. It's over! Guadeloupe! To the group stage of the Gold Cup in penalties. Voilà, voilà, it's over. We are the winners, right? The winners, not the losers, you know. Bon, on se calme tranquillement. Et messieurs, coach Gabi, parle-nous comment tout ça. Je fais un tour de table. Je pose la question à Gabi, mais après ça enchaîne. Comment as-tu vécu ce match hier soir? Déjà, on a tous veillé tard. Au bout du bout des tirs au but, c'était impressionnant, franchement. Alors, il a dit, Thuram, c'est la première fois que ça a été aussi long. Chaque fois, tu as l'impression que tout à l'heure, on disait, il y a un, tu sais plus lequel, quand il va tirer, on sent qu'il a la pression. S'il la met, on passe et il rate le pénalty, vraiment. J'imagine, hein, le stade autour, il y avait combien de... 9000 Guatemaltèques. Ouais, nous on était combien? Il y avait très peu. C'est ouais, très peu. Ouais, si nous fait 50, nous font. Mais on le saura tout à l'heure. On le monde Guadeloupe comme mon ni Guatemal. Alors c'est ça. Exactement. Tout à l'heure on va avoir un supporter qui était dans les tribunes. Régis Lolo là, je l'appelle juste après votre intervention. Richard Albert, messieurs, son Facebook, j'ai vu 16 millions ils sont de Guatemaltèques. Nous on est 380 000. Donc c'est exceptionnel ce qu'on a fait. Et c'est bien, j'ai vu un groupe qui s'est battu ensemble, qui a défendu ensemble, le terrain était grand, le terrain était impressionnant. Malpont, je l'ai vu faire des allers-retours, j'ai vu Cavari se battre, j'ai vu derrière un petit Solvay qui a grandi à l'Intrépide de Sainte-Anne, qui a été élevé là, je trouve très à l'aise. Quand il est parti, il était 10, il joue derrière, enfin bref. Non, mais c'est bien pour nous, c'est bien pour l'avenir, pour se projeter. Je fais une petite parenthèse, quand on a un des deux meilleurs avant-centres, un qui part en national, les deux partent en national, ouais. Ça donne de la visibilité aux jeunes qui peuvent se dire, voilà, tu joues bien R1, tu as une chance de partir. Donc pour tout ça, c'est super bien qu'on soit passé. Moi, j'ai pas regardé, pour être honnête, j'ai pas regardé le match. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Mais je suis fier quand même. Mm-hmm. Ça fait 10 ans qu'on n'était pas en Gold Club, en Gold Cup. Je suis fier quand même. Mais j'ai pas. Ben, après, moi, j'ai regardé toutes. C'était intense. Et en fait, je me suis rendu compte que je vis plus quand c'est la Guadeloupe que quand c'est la France, j'avoue. En tout cas, t'es mal. Madame, on ne m'a pas dormi après. Hein. Et non, c'est rien. Et puis même, j'ai une de mes associées. Pas de ta vie privée. Pas de problème. J'ai une de mes associées qui pareil, hein, c'est la tension. Et puis, je ne sais pas, ça n'a rien à voir, en fait, avec... voilà. J'ai trouvé une équipe qui joue au foot de manière, mais vraiment... Enfin, on croit qu'on belle football, en fait. Voilà, et tu vois, c'est pas parce que c'est la Guadeloupe, en fait. C'est parce que c'est sympa. Ils jouent bien au football. Le Solvay, c'est carrément Teboula, très à l'aise techniquement, des interceptions. Ils étaient toujours 1 mètre, 2 mètres devant les Guatemaltèques. Le but, c'est un but casquette, ça arrive tous les jours. Ils ne sont pas démobilisés. On avait un Phaéton très remuant, un Malpont, comme tu as dit, hein, qui montait, descendait, le vrai piston dont la Guadeloupe avait besoin dans ce milieu de terrain-là. Et encore une fois, les remplaçants qui rentrent, qui apportent, franchement, c'est une équipe. Son équipe football, une vraie équipe football. Et nous voulons un vrai match footballier. Et c'est un des tirs au boulot, c'est bon, quand même. Mais après, c'est la vie. Et on est content d'avoir vu tous nos joueurs taper. Et ben, pour savoir que c'est le premier maintenant de Yoann Thuram, il faut y avoir pour tout là, quand même, et en taper. Mais on a passé un très bon moment, en tout cas. Ah oui, donc moi, j'ai vu ce match avec beaucoup de passion parce que je suis un passionné. En plus, tu les avais interviewés juste avant qu'ils partent. Ah, effectivement, juste avant qu'ils partent. Et je dois vous dire, honnêtement, j'étais sur mon ordinateur. J'attendais le dernier tir au but pour taper rouleau. Effectivement, je crois que Total Sports est le premier média local qui a publié un article sur ce match. Donc, effectivement, le titre, c'est rouleau, la Guadeloupe est à la Gold Cup. Et ça m'a fait énormément de plaisir. Et franchement, j'étais avec mon frère, j'ai dit, ben, quand est-ce qu'on va avoir cette qualification?
et on a vu une équipe, une sélection de la Guadeloupe qui se battait, qui voulait cette qualification. Et c'est vrai, il y avait quelques petites erreurs, mais dans l'envie, il y avait beaucoup d'envie, il y avait beaucoup d'abnégation. Et j'ai dit bravo à Jocelyn Angloma, il a fait un sacré travail avec lui. Et c'est bien, avant de te donner la parole, Eric, c'est bien, merci pour ce rouleau, parce que c'est important. Il s'investit, Jocelyn, il s'investit complètement pour son pays, pour les jeunes de son pays. Tu vas en témoigner aussi tout à l'heure, Jordi. Et ça nous fait plaisir de voir quelqu'un qui a fait une telle carrière internationale, qui a représenté la Guadeloupe partout à travers ses matchs, en équipe de France, et qui s'investit pleinement dans son pays. Je te laisse, Eric. Oui, en fait, j'allais pour rajouter à ce que tu dis, j'allais dire... Moi, je suis très impressionné par le calme qu'il a diffusé sur les joueurs dans l'énorme pression pendant les pénaltys. Il était tellement calme que les joueurs, tu peux t'exciter autre, tu regardes ton référent et tu vois qu'il est calme. Donc déjà, ça t'apporte un certain calme. Et puis, comme on parlait tout à l'heure, c'est clair qu'il y a un projet de jeu, quoi. Il y a un projet de jeu dans cette équipe des Guada Boys. Et il y a un football spontané qui est direct. Et en plus, les professionnels, comme on en parlait, les professionnels apportent quelque chose avec un vrai engagement. Je trouve que c'est fantastique. Et effectivement, ça va porter ses fruits dans le futur à un autre niveau encore pour les générations qui arrivent en dessous. Parce que c'est toujours de la formation. Jordi. Effectivement. Moi, comme vous avez dit, je trouve que Jocelyn Angloma, en fait, on voit la patte Angloma. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, il y a un collectif en Guadeloupe maintenant. On peut dire qu'on a un collectif et chacun se bat pour l'autre. Et en fait, hier soir, on a vu ça sur le terrain, jusqu'au tir au but d'ailleurs, parce que Thuram qui te dit que je dois en arrêter un. Tu vois, donc dans l'état d'esprit, c'est déjà différent. Et je vois autre chose que les années passées. Et pour moi, franchement, il y a un seul mot, c'est fier. Fier, on est fier et c'est tout. C'est vrai. Et par rapport à ce que Eric dit sur le calme, le match était dégueulasse des Guatémaltèques. Hein. Sur le calme de Jocelyn Angloma et des joueurs guadeloupéens. Mais oui, parce que les joueurs guadeloupéens, à un moment donné, il y a quand même une petite perte de sang-froid. Bon, c'est normal. Parce qu'ils ont passé 90 minutes. C'était 90 coups, minutes de coups. Hein. Ah ouais. C'était pas du foot. Hein. C'est-à-dire que c'était des coups. C'est-à-dire que tu peux mettre de l'intensité, des coups d'épaule, des machins. Là, c'est pourquoi tu as balancé des coups de pied en cuisse, des sortes de fautes, tu mal semelles. Non, mais non. En défensivement. Non. Oui, on parle de football tout court. Il y a une VAR, il y a quelque chose, il y a des arbitres. Tu siffles, s'il n'y a pas vraiment, on saura. Si le football. Ouais, mais la CONCACAF, franchement, quand je vois ce qui est sifflé en euro, quand je vois ce qui est sifflé à l'euro, c'est incroyable. Juste pour que tu puisses sortir. Justement, exactement, et c'est Angloma, je pense qu'il. À mon avis, exactement. Je pense que les Guatémaltèques, ils n'attendaient pas cette opposition de la part de cette sélection guadeloupéenne. Ils pensaient qu'ils allaient marcher dessus sur cette sélection de la Guadeloupe, et c'était pas du tout le cas. Ça a été un match maîtrisé par la Guadeloupe. Exactement. Et ils avaient beaucoup d'occasions, donc la Guadeloupe aurait pu plier les matchs depuis avant 90 minutes, mais. Franchement, Guatemala, il n'était pas vrai, il n'était pas du tout à son niveau. Franchement. En tout cas, il faut rappeler quand même, mais s'il n'était pas à son niveau, c'est peut-être parce que la Guadeloupe n'a pas permis son de se mettre à niveau. Parce que moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on pouvait bien lire tactiquement le format de jeu de la Guadeloupe et c'était fluide, c'était clair. Dans les yeux. Oui, Jordi. Si je peux te dire quelque chose, je sais, coach, tu vas peut-être. Confirmer ce que je dis. Avant, je crois que la sélection ne se réunissait pas en fait chaque semaine. Mm-hmm. Et là, avec Angloma, ça a changé. Je crois que chaque semaine, ils se voient le samedi ou un truc comme ça. Quand il n'y a pas match. Hein. Mm-hmm. S'il y a match, c'est le mercredi. Et tu vois, rien que ça, c'est déjà. Ça a soudé la sélection. La cohésion. La cohésion. Comme tu as dit, ils sont déjà. Comme tu as pris appui sur Gabi, tu confirmes ou pas? Là où ils ont fait une vraie performance, c'est que à l'arrêt de notre championnat, les gars ont continué de s'entraîner. Ils ont continué régulièrement, ils se voyaient de faire des stages. Ça demande des sacrifices. Hein. On est des amateurs avec tout ce que ça, comme aléa. Et les gars étaient là. Et sur cet aspect-là, ils ont fait une vraie performance. Il a fait, enfin, c'était pré-sélection ça. Ouais, parce que oui. Et après, il a appelé les pros.
peut-être deux semaines, tu vois qu'il y a une cohésion de groupe, comme si les gars jouaient depuis, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Et, c'est fou. Et en parlant de tactique, hier soir, on a vu la touche, la patte de Jocelyn Angloma, parce que Edwin Malpon, que vous parlez là, le premier match, il n'était pas titulaire. Et Edwin Malpon, c'est un joueur techniquement qui est très fort, c'est un joueur qui est capable de briser les lignes, c'est pas une vraie sentinelle. Et hier soir, malgré, sur le papier, Guatemala était meilleur, soi-disant. 127e nation classée à la FIFA, et la Guadeloupe, nous sommes non classés. Hein. Ah oui, c'est normal. Donc, pour vous dire. Non, c'est pour bien mesurer l'exploit bien qu'ont réalisé les gars. Ah oui. Bien sûr. Et je disais avec Edou Malbon, et là, je profite pour féliciter Total Sport et surtout ceux qui ont travaillé avec moi pour désigner Edou Malbon comme le meilleur joueur de la Ligue 1. Et il a confirmé qu'il s'était vraiment lui le meilleur joueur de la région. Et bien voilà, et en plus il a été élu homme du match. Hein. Ah ben tu vois. Voilà, il a été élu homme du match par la CONCACAF. Ah ouais. Alors, une petite surprise, pas vraiment une surprise, hein, c'est plutôt un bonheur, c'est plus un bonheur. Voilà, il attend depuis 3 minutes déjà, il vous a peut-être entendu parler. C'est notre ami, lui, c'est un fervent supporter des Guada Boys. Il était déjà au match précédent, et là, il était encore dans le stade. Bouga, pas même tenu voix beau matin à l'en crier. Bouga, dis-moi, Jimmy, c'est Bouga Guatemala là, c'est Sipote là, yo provoquez nous, yo mais dans le sens, t'es chaleureux quoi, mais nous résister, nous fait des ordres, n'est-ce pas Régis Lolo? Bien bonsoir Bouga Mouin. Bien bonsoir Jimmy, bien bonsoir tout le monde Guadeloupe. Sois bien. Bonsoir. Ah, bonsoir. Comment nous bien? Nous obligés de bien, nous qu'on vous. Vous plus bien qui nous encore. C'est Bouga fait nous plaisir en nous-mêmes. Alors, justement, où tu es au premier loge avec Guylaine, avec d'autres supporters, expliquez-nous qui j'en s'est passé. Bon, nous tant à autres qui j'en les ont rentrés au stade, parce qu'on savent que ni notre frère qui a crié talé, mais on savent que ils ont crié les autres entre Guadeloupéens, ils ont pas d'autres rendez-vous. Racontez-nous tout de suite là. Ah, moi, il est tellement frais pour moi. Le match d'hier, malheureusement, je n'ai pas pu y aller, mais Guylaine est passé à la maison. Il dit moins que ni d'autres Guadeloupéens qui venir. Est-ce une idée de drapeau? On dit oui, pas ni pour problème. En bas du drapeau, nous barrions le drapeau, on dit qu'on s'est représenté parce qu'en tenant habité au dernier moment, je n'ai pas pu aller au match d'hier. Et après, je regardais avec les enfants à la télévision. Mais vraiment, les Guada Boys, c'est magique. Mon cas dit Paris magique. Ah ouais, Guada Boys, c'est magique. À l'équipe de France, ok, mais ah ouais. Jean-là, l'équipe-là, ça va faire nous vibrer. Ça, je veux dire, ça n'a pas de nom, c'est incroyable. Les gars là, les Guatemaltèques là, qui pensaient qu'ils allaient, ils allaient faire le jeu et ils sont entrés contre un mur. Et les Guadabois mettent ça haut même. Ok, eh ben Régis, justement, qui Jean allait là, le fait qu'ils aient gagné le lendemain, que la presse aux États-Unis, bon, c'est pas la presse nationale, c'est sûr, mais est-ce que même la presse régionale en Floride sortit quelques articles quand même si les Guadeloupéens? J'ai pas trop vu, Jimmy, donc je veux pas tellement te dire, mais je sais qu'au Guatemala, les titres étaient que le Guatemala a perdu parce que ils ont dérespecté les Guada Boys. Ils les ont pas pris au sérieux. Ok. C'est une version. Ok. Eh bien, nous qu'en remercier Régis. En cas essayé de joindre d'autres mouns qui sont en stade là, comme Pascal. Et ouais, nous qu'en remercier. Et puis, merci pour travailler là au café aussi avec ces drapeaux-là. Parce que tous les supporters, dis-moi, c'était vous le point de jonction. Mais où ça a pas fait longtemps, nous qu'en essayé de faire la Ligue. On a toujours dit la Ligue Guadeloupéenne, fait ces bougas jouer avec drapeau en nous. Parce que ça qui baille en force. Comprenez? Mm-hmm. Eh bien, on va voir que tout le monde à présent, ils comprennent ça. Et Guadeloupe, pas permettre la poisson. Nous sommes en culture nation et nous sommes bourrés pour Guadeloupe. Yes, Régis. Nous quand même remercions l'eau, mon frère. En pile force, tout le monde. Tiens bien fort. Question article, la Fédération caribéenne a publié quelque chose qu'elle a mis en sponsorisé sur les réseaux sociaux pour annoncer la qualification. J'ai vu ça sur Instagram. Sur Instagram, il y a un visuel de Phaéton où la Fédération caribéenne, la CFU, caribéenne, l'Union caribéenne de football, qui a fait une grosse com pour dire que la Guadeloupe est qualifiée. Ils étaient fiers de la Guadeloupe en tant que caribéenne. Davy, je ne veux peut-être pas tuer le... Comment dire, la ferveur,
Mais c'est pas fini en fait, ça, ah non, ça ne fait que commencer. Faut pas oublier ça, donc il faut qu'on reste concentré sur Suriname, Costa Rica. Dimanche, Costa Rica, les mecs. Non, franchement, il faut quand même savourer. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Pourquoi c'est j'insiste, je suis d'accord avec toi. Hein. Parce que, c'est-à-dire que, moi j'ai envie qu'à partir de dimanche, on rentre en mode compétition. Nous, tu vois, nous le pays et tout, les joueurs, eux, à partir de demain, dès maintenant, c'est sont déjà en mode compétition, on est d'accord. Mais il faut nous savourer Thibouin aussi, il faut nous apprendre à savourer Thibouin. Pourquoi? Pourquoi? Eh hey, les gars, s'ils n'avaient pas été qualifiés, c'est ce que je disais hier, ils ont rencontré une très grosse nation. Oui. S'ils n'avaient pas été qualifiés, il ne fallait pas non plus les mettre sur le bûcher. Mais maintenant qu'ils se sont qualifiés, nous devons savourer, car c'est un véritable exploit. Parce que ce qui arrive derrière, les gars, c'est l'Everest. Ouais, c'est vrai. C'est la Jamaïque, les gars. C'est Costa Rica, c'est Suriname. C'est Jamaïque rencontre la France, rencontre l'Angleterre en temps normal. Les Jamaïcains jouent en première ligue. Nous devons savourer l'exploit. Après, demain, peut-être ça qui est pirette demain, mais au moins, au-delà, nous comptons, les gars. C'est vrai. Oui, tout à fait, Jimmy. Mais pour te rejoindre, dans un souci de victoire, d'aller le plus loin possible, on est encore en compétition. Et si on laisse trop d'influx dans le fait d'avoir gagné... Pas nous, les supporters. Et qu'on est content d'avoir gagné. Non, pas nous, les supporters. Non, mais ça chauffe aussi les joueurs. Et qu'à un moment donné, c'est tout ça. Le monde ait le discours. Ouais, ça y est, on a gagné, super et tout. Et le match d'après, en fait, on fait un non-match parce que on a lâché, qu'on était déjà content d'avoir fait cet exploit. Alors, il y a un juste milieu quand même. Mais je pense je veux bien le mettre, mais vous laissez le moment en temps d'aujourd'hui. Non, mais moi aussi. Je suis content, t'inquiète. Je suis pas content. Je pense que le juste milieu, on va le faire demain. C'est juste pour vous mettre les gars déjà dans le bain. Non, mais le match là finit à minuit, les gars. Nous pouvons même faire 24 heures. Sérieux? Moi, je pense que c'est un peu comme ça. Nous, qui de Costa Rica demain, Révin, vois-nous. Nous, qui de Costa Rica demain, Jordan, nous, qui appelle de manière nous plus. Mais tu vois, on parle déjà sur nous qui peut être contre Costa Rica. Ben non, on nous met nous déjà. Je pense que le coach, il serait arrivé, il aurait dit les gars, c'est super, savourez ce soir de monstre au boulot. C'est parce qu'il y a Costa Rica. Mais nous. Je suis d'accord avec toi. Non, on parle de nous. Tu sais qu'un autre, on transmet. Parce que ça se transmet. Tu as été joueur. Tu n'es pas assez au club. Ça se transmet. Tu vois le public avec toi. De quoi tu dis bon, on nous fait là. Mais tu sais, j'ai pas l'impression de rester mobilisé. Attention. Ce groupe-là. Soit dans ce genre de choses. Je sais pas si parce vous que voyez. Jean, il peut pas le laisser faire ça. Je sais pas si vous voyez sur le tir au but, sur le tir au but de Solvay, le capitaine guatémaltèque, l'ami, c'est qu'a marqué penalty, il a passé, il a provoqué. Après, c'est qu'a chauffé tout le monde là. Pendant que c'est qu'a retourné pour voir tout le monde tir au but, nanana, il chauffe tout le monde. Mais Jiré Moun. Ouais, il a insulté. Solvay arrive, Missy fait une petite Neymar, il met son petit penalty et il regarde le gardien, il dit bon, en gros, arrête. Enfin. Il y a quoi en fait. Sauf que le joueur reste calme et il fait une Neymar alors qu'il vient de se faire provoquer alors que de base t'as envie de mettre une patate parce qu'on vient de t'insulter. C'est dans la tête. Donc, je crois en Josué Angloma qu'il aura parlé dès le soir pour leur dire. Bien sûr. Eh ben, par contre dimanche nous qui est là au sol là Zoka ça va être pourquoi demain matin nous entraînement. Ça c'est sûr. Mais nous par contre aujourd'hui repos. Repos. Oui Gabi. Non mais avant d'aller à la pub. Voilà rapidement moi je pense que ils ont beaucoup travaillé pour un objectif. L'objectif a été atteint. C'est bon, on a atteint, on est qualifié. Il faut s'avouer, comme tu dis, maintenant, cerise sur le gâteau, c'est ça. Tout ce qui arrive derrière, prend, il faut qu'on joue libéré, sachant ça. Qu'il y a 2-3 niveaux dessus. Hein. Ah, mais il faut pas ça. Qu'on... Je là, vois, on va jouer vraiment sans pression. L'esprit d'Allemagne. C'est bon. Voilà, c'est et on peut y aller. Là, le moins de petits trucs à prendre, on va prendre. Mais, oui. Mais en étant conscient que c'est un niveau dessus. Ah, même un bon 0-0, oui. Nous capons. Parce que j'en dis, et sincèrement, moi je suis un compétiteur fini, hein. Tu peux demander à plein de gens, mais là-dessus, il faut qu'on soit conscient vraiment de l'Everest, parce que si on commence à dire, ouais, ok, ils ont gagné Guatemala, c'est pas fini, que je comprends en tant que compétiteur, et on commence à dire, maintenant, il faut qu'on tape le Costa Rica, mais si après les gars, ils battent pas le Costa Rica, nous on veut qu'ils battent le Costa Rica, mais il faut qu'on soit lucide, si par hasard, si par exemple, ils ne battent pas le Costa Rica, faut pas qu'on les descende, faut non, pas jamais, dise... j'ai jamais non, mais dit si ça. On commence à préparer l'opinion publique en disant ils peuvent battre le Costa Rica comme ils ont battu le Guatemala. Tu penses qu'on aura plus de regrets, Jean? Exactement. Il faut vraiment, je suis comme le coach, tu vois.
le côté c'est bonus et que nous aussi maintenant, nous supporters, nous toujours en forme. Et bien, donc, on nous a regardé classement à Costa Rica. On nous a regardé qui Jean Costa Rica a joué, qui Jean Suriname a joué, qui Jean Jamaïque, qui compose les équipes. Et après, on revient bien humble et on dit, OK. Bloc bas, le bus, et nous confions au pot. Moi, j'ai envie de non, voir. Non, je plaisante. Non, on joue au ballon, on joue au ballon. J'ai envie de voir Moison ou Mioval marqué sur Navas, par exemple. Voilà, c'est... voilà, malheureusement, Navas n'a pas été retenu. Ouais, je sais. Malheureusement. C'est pas PSG qui n'a pas accepté, je crois. Non, c'est le PSG qui lâche pas. Je suis pas sûr, hein, parce que c'était pendant ses vacances. Hein. Non, c'est parce que c'est juste que c'est parce que c'est Gold Cup. Si c'était la Coupe du Monde, non, c'est pas le PSG qui lâche pas. Parce que c'est pas obligatoire en plus pour les sélections de libérer pour la World Cup. Même pour les JO en France. Ok. Même pour le gardien titulaire d'Haïti, Placide, donc il est pas là. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est bon pour nous, on va gagner. Super. Mata, on voit ça. Non, mais nous tout avions. Nous tout avions. Hein. Tu sais, hier, je tempérais aussi pour le Guatemala. Hier, sur le même plateau, je tempérais exprès. Et puis hier soir, sous tes talons, bouga moins grand-camp. D'ailleurs, je salue Lulu à la friterie là-bas. T'es ni plein bouc, nous t'es grand-camp, t'es cagadé. On t'est parti à acheter ton frit vite fait à la mi-temps. En page, on parti. On parti à la fin, à minuit, quelques coups de cacrier grand-camp. Bref. C'est le pays qui a vibré. Voilà, et il y a Jordan aussi qui arrête pas de crier sur moi parce que c'est l'heure de la pub. Alors je vous promets, normalement, après la pub, on revient avec des Guada Boys en direct et aussi vous téléspectateurs. On a toujours avec nos chroniqueurs, mais autres aussi, nous quand ils prennent appel, yon des appels pour dire nous qui jouent au vive match là. Ok, c'est important. Tout bit est interactif. Partage. Nous ensemble, nous pas partager. Ouais. C'est l'heure de la pub. On partage aussi la pub. Voilà, nous sommes de retour pour la troisième partie. Exceptionnelle, justement, cette partie. Et on remercie encore la direction de Canal 10 de nous avoir donné un peu plus de temps. Parce qu'effectivement, il y a un événement exceptionnel quand on parle de football. Les Guada Boys, on le rappelle, se sont qualifiés face au Guatemala. C'était un exploit. Alors, en ce moment direct, vous voyez le téléphone à la main. Parce que normalement, nous avons en direct avec nous le coach de la Guadeloupe, le coach des Guada Boys, celui dont on parlait tout à l'heure. Dont sa tactique a été très payante, c'est monsieur Jocelyn Angloma. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir, mais c'est Raphaël Mirval parce que les gens sont en train de dîner, donc c'est un petit peu les aléas du direct. Mais c'est Raphaël Mirval. Ok, il n'y a pas de problème, on m'avait annoncé Jocelyn. Après, ce sera Jocelyn. Il n'y a pas de problème, après, ça sera Jocelyn. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Le principal, on est tellement contents, mon frère. Tu crois que nous, ça ne nous dérange pas. Donc, Raphaël, justement, comment as-tu vécu ce match? Est-ce que tu es conscient que toute la Guadeloupe est très, très, très fière de vous? Ben, je suis conscient. C'est un match qui a été très compliqué. On a joué à fond. On a tout donné et voilà, ça a payé. Mais apparemment, tu dis ça comme ça a payé, mais ça t'est raide quand même, puisque les Guatémaltèques, ils ne vous ont pas fait de cadeau, que ce soit par leur rigueur ou même parfois par quelques provocations verbales. Mais dans cette compétition, rien n'est si simple, hein. Même Bahamas, ça a été dur. Mais bon, on est quand même une équipe très forte et très soudée. Très en place aussi et on a mis beaucoup de volonté pour aller chercher cette victoire. Voilà, tu dis une équipe très soudée, ça s'est vu. On voit que vous aviez la tête froide, vous aviez des consignes particulières pour rester bien concentré. Ben oui, hein, à ce niveau-là, ben ça je sais des détails. Et on doit toujours rester concentré, 90 et un peu plus si le match continue. Alors, tu dis que ça joue sur des détails. Permets-moi, dis-moi si je me trompe, hein. À la fin de la première mi-temps, on a senti que la Guadeloupe était un petit peu faiblissait un petit peu physiquement, reculait un petit peu. Et lors de la reprise de la deuxième mi-temps jusqu'à la fin du match, d'ailleurs, on vous a vu beaucoup plus conquérant. On a vu justement les Guatémaltèques quasiment tout le temps dans leur camp. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Ce sont les paroles du coach? Ben oui, on a discuté, après on a fait le dos rond, parce que dans le foot, il y a les temps forts, il y a les temps faibles, il fallait gérer, il fallait faire le dos rond, et après, en seconde période, ben, on n'avait plus rien à perdre, on avait tout à gagner. Et qu'est-ce que ça vous apporte pour toi, ce genre de match, ce genre de confrontation? Comme Mandela disait, on ne perd jamais, on apprend toujours. Est-ce que tu penses avoir appris, toi et tes coéquipiers, encore hier soir?
Ben, tous les jours, on apprend. Après, les Guatémaltèques, ils ont mis énormément de rythme. Je pense que même en Guadeloupe, on n'est pas habitué à ce genre de match. Et c'est quand même une belle expérience pour les joueurs qui évoluent en Guadeloupe. Alors, il y a beaucoup de gens sur le plateau. Messieurs, est-ce qu'il y a d'entre vous qui aimerait poser une question à Raphaël que je puisse vous relayer? Et question de Jérôme Joly de Total Sport. Donc d'abord félicitations et Fafo pour cette qualification. Vous, tu l'entends? Tu l'entends Raphaël? Très faiblement. Alors pose la question directement comme donc, ça Jérôme. Donc j'allais vous demander donc comment étaient les préparatifs avec le coach Justin Angoumane. Donc on connaît que c'est un coach d'expérience. Qu'est-ce qu'il vous a dit comme consigne pour affronter ce match? Alors je répète au cas où tu n'as pas bien entendu, il a dit comment vous avez préparé ce match avec Justin Angoumane, quelle était la tactique et quelles étaient les consignes? Les consignes ont été de sortir sur le porteur de balle très rapidement, parce que c'était une équipe quand même qui faisait pas mal de centres, comme on l'a vu, et on les a mis en difficulté, on les a fait douter. On est aussi une équipe qui joue énormément et ils ne sont pas quand même habitués à ce genre de d'équipe. Et au fil des minutes, ils ont commencé à douter et on a suivi ça, on a commencé à appuyer. On avait tout à gagner, comme je l'ai dit. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes maintenant? Là, j'ai une pensée pour Jordi Capé qui est sur le plateau, qui lui déjà concentré sur le Costa Rica. Est-ce que vous aussi? Et dans quel état d'esprit vous allez aborder justement ces phases finales maintenant de la Gold Cup? L'objectif était d'atteindre quand même la Gold Cup. Ça fait quand même 10 ans. Maintenant, on va jouer libéré, on va tout donner, et on va se battre pour notre population et on va se battre aussi pour écrire une page avec cette équipe. Alors tu vois, tu as parlé de la population, c'est intéressant. Ça veut dire que même en étant très loin, en étant aux États-Unis, tu ressens cette vibration, tu ressens le pays, vous ressentez le pays qui est derrière vous, vous ressentez cette ferveur qu'il y a en ce moment au pays? Oui, à travers les réseaux, à travers les radios et même à travers les médias. Et ça vous booste? Mais ça booste toujours, de savoir qu'on est soutenu et qu'on ne nous lâche pas. Yes, nous avons autres. Eh bien, franchement, Raphaël, vraiment merci. Hein. Merci, je ne vais pas trop abuser de ton temps parce que je sais qu'à l'heure actuelle, vous êtes à table. Vous êtes à table normalement, tous les joueurs sont à table. Donc, je te remercie et toute l'équipe aussi qui est avec moi sur le plateau. Et encore félicitations. Félicitations. Et puis, nous avons autres, nous pas à la guézotte. Et c'est pas fini. Voilà, on est avec vous dans toutes les circonstances. Victoire et défaite, on est avec vous. Voilà. Jocelyn est arrivé. Hein. Yes. Eh bien, ok. Merci, Philippe. D'ailleurs, en ligne, vous entendez quelqu'un qui fait la liaison. Je tiens à remercier Monsieur Philippe Brio, qui est le directeur de communication de la Ligue guadeloupéenne de football. Hein. C'est lui qui fait la transition. On peut applaudir. Hein. Likez un des applaudissements. Voilà. Exactement. Merci encore, Philippe. Et je crois que maintenant, nous allons être en compagnie du sélectionneur, M. Jocelyn Angoumane. C'est bien cela? Bonsoir, Joss. Oui, bonsoir, Bowser. Tout va bien? Oui, ça va bien. Mais d'abord, avant de te dire quoi que ce soit, boss, je voudrais que tu entendes les applaudissements sur le plateau, là. Moi, je ne peux pas applaudir parce que je tiens le téléphone. Mais roubissez. Bravo. Voilà, tout le monde est heureux, Jocelyn. Toute la Guadeloupe est heureuse. Et toi, en tant que coach, je suppose que tu dois être ravi, tu es satisfait parce que les gars, ils ont vraiment appliqué ce que tu leur avais demandé. On est ravis, hein. On est tous ravis parce qu'on voulait quand même passer ce tour. Enfin, c'est préliminaire, ça a été fait. On est ravis aussi parce que les gars ont fait le taf, hein. Ils se sont donnés à fond, ils se sont mis minables. Et donc, on a pu en
marquer un but, se faire égaliser, bon, on aurait pu gagner le match dans les temps, les 90 minutes du moins. Mais bon, ça a été comme ça. Il fallait faire monter les palpitations, la pression. Donc c'était à travers ces pénalties. Donc c'était encore mieux. Et puis la victoire est encore plus belle, en tout cas la qualification. Alors, peux-tu nous expliquer rapidement la tactique que tu avais mise au point pour contrer ces Guatémaltèques, qui, on rappelle, qui étaient quand même 126, qui sont 127e au classement FIFA, et que nous ne sommes pas classés. Oui, nous ne sommes pas classés, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas jouer au ballon. Donc, ça reste un match de football. Ça reste un match de football avec des joueurs pros qui peuvent aider nos jeunes de la Guadeloupe. Et puis, la tactique, vous savez, on parle souvent de tactique, de système. J'ai mis un système en place avec le staff. On a travaillé ça. Un 3-5-2 qui a marché, qui a fonctionné. Après, si les gars arrivent à l'assimiler assez rapidement, c'est encore mieux. Et ça a été le cas. Donc c'est un système, ça évolue, c'est évolutif, c'est pas seulement dire ouais, on va jouer 3 derrière et tout, on va défendre avec 5 défenseurs. Tout le monde peut attaquer et tout le monde peut défendre. C'est ce qui est important, c'est d'avoir un bloc équipe, on parle souvent de ça, on entend parler souvent, mais tout le monde fait bloc pour pouvoir attaquer le mieux possible et attaquer ensemble. Alors, ce qui est bien, c'est que si cette tactique a pu fonctionner, si les joueurs ont pu adhérer à ce que tu leur as demandé, c'est parce que il y a un travail de longue haleine qui est fait en amont. Bah, surtout avec nos jeunes de la Guadeloupe, parce que vous savez, les pros arrivent, ils n'ont pas trop le temps. La seule chose, c'est, ce sont des pros. Ils savent, ils connaissent leur métier, ils connaissent le football, donc ils s'adaptent beaucoup plus facilement, que ce soit techniquement ou intellectuellement sur le terrain. Et ça a été le cas. L'association entre pros et nos jeunes, ça a été assez rapide. Maintenant, il faut confirmer ça. Hein. Vous savez, les victoires, c'est vrai que tout le monde en parle, on en parle, tout le monde est, tout est beau. Mais il faut confirmer ça par la suite. Et on sait qu'il y a un gros morceau qui arrive, qui est le Costa Rica. Ça, c'est du costaud. Ce sera à nous d'être prêts et puis faire le nécessaire. En tout cas, essayer de gagner ou un match nul. Mais ça va être compliqué. Et dans quel état d'esprit tu abordes, toi et tes joueurs, cette compétition? C'est juste bonus. On va participer, on va se faire plaisir en essayant de jouer notre meilleur football. Ou alors on a encore aussi de l'ambition, par exemple, de terminer premier ou deuxième de la poule. Bah, on a de l'ambition. De toute manière, en tant qu'homme, il faut avoir de l'ambition pour pouvoir avancer dans la vie. Les gars sont là. C'est vrai que le Costa Rica, Jamaïque, Suriname, c'est du haut niveau. Mais nous avons notre carte à battre. Et ce serait bien de jouer à fond à tous les matchs. Du bonus, ça peut être du bonus pour tout le monde. On connaît hein, notre situation, que ce soit géographique, c'est une île. 400 000 habitants environ. On a joué le Guatemala qui a 17 millions d'habitants. On va jouer le Costa Rica, je ne sais pas, c'est des nations. Ce sera à nous d'être bien, d'être réfléchi et puis de jouer notre va-tout. Parce que bon, le football, ça reste toujours un jeu. Alors, vraiment merci. Une dernière question, Joss, parce qu'il y a quelque chose que tout le monde a remarqué. Que ce soit sur le plateau ou les supporters qui t'aient regardé, la noutée et la différents côtés, c'est ton calme. C'est ton calme et tout le monde dit que ton calme a rejailli sur l'équipe. Ah, c'est là qu'on voit qu'à ce moment-là, l'expérience que tu as pu acquérir durant toute ta carrière internationale, eh bien, c'est là qu'on voit que tu la mets au service de nos jeunes, au service de la sélection. Oui, bon, disons que c'est ma nature qui veut ça aussi. Hein. C'est ma personnalité qui est... Bah, je suis calme, mais je sais quand même gueuler. Quand c'est sur le terrain, quand il faut recadrer les choses sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais dans la vie de tous les jours, c'est plus le calme qui prime, une certaine sérénité pour donner aux gars la volonté par la suite d'exploser, je dirais. Donc ça, c'est bien. Et puis quand on sait qu'il y a un coach qui est tranquille derrière, bon, on peut y aller, on peut se lâcher. Donc ça fait partie de ma personnalité et bon, ça ne va pas changer malgré les résultats, que ce soit dans la défaite ou dans la victoire.
Alors, parole, Kamene, parole. Vraiment, dernière parole. Vraiment, Joss. La dernière, parce qu'on a vu un changement à la mi-temps. On a vu un changement d'attitude de nos joueurs qui sont arrivés en première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, où ils subissaient un petit peu. Et en deuxième mi-temps, jusqu'à la fin du match, c'est ce que j'ai dit avec Raphaël Mirval. On a vu que vous avez bien occupé le camp guatémaltèque. Et ils nous ont dit que ce sont tes paroles ont porté leurs fruits. Qu'est-ce que tu leur as dit exactement ? Rien d'extraordinaire, hein, de jouer au football, de continuer à jouer, de ne pas se lâcher, de ne pas avoir peur de jouer, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait la différence. Quand vous avez la balle, vous jouez au ballon, vous posez des problèmes à l'adversaire, et ça a été le cas. Et puis aussi, les gars, les garçons, ils ont bien travaillé, ça a gueulé à un certain moment parce que c'était dur, mais ils ont bien travaillé, et puis on a vu que physiquement on était prêts. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est de bien récupérer et bien se préparer pour les matchs qui viennent, parce que ça va être quand même assez compliqué. Et la récupération, c'est primordial en ce moment. Eh bien, Joss, franchement, nous quoi remercier au bout d'un moment. Vraiment, merci, parce que tout le pays est content, nous sommes tous contents, et nous tout avons, toi et toute ton équipe, tout ton staff technique. On sait que ce n'est pas que les joueurs et le coach, il y a aussi les kinés, il y a aussi l'intendance, la ligue. Donc, nous quoi voyons grand houlo, bravo, Bazot, vraiment. Oui, merci. Encore remercions l'eau. Et de toute manière, nous savons que le pays est avec nous. Nous savons que les réseaux sociaux nous calissent. Nous savons qu'il y a passé. Mais nous avons gardé quand même la tête là, en les épaules là, parce que c'est important. Ça permet de nous travailler dans bonnes conditions. Et merci encore. Merci en pile encore. Applaudissements pour merci. M. Jocelyn Emblema. Merci, merci. Merci, merci, Joss. À bientôt, mon frère. Merci encore, Philippe. Voilà, merci aux Guada Boys. On va terminer l'émission. Merci, Philippe, encore. Et vraiment, ça fait plaisir. Messieurs, réaction ? Que du bonheur. Ça confirme ma pensée. Et ça confirme que je peux être vu le coach qu'on a. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tout de suite, il est rentré dans le fait que lui, il n'est pas venu pour faire la figuration, même avec les autres équipes. Il a envie d'avoir des matchs nuls, d'avoir des résultats. Il n'est pas en train de se dire, super, on a fait un exploit. Déjà, c'est génial. C'est que du bonus et on verra après. Lui, il est ça compétitif, aussi. Il veut quoi. J'espère qu'il va transmettre ça quand même, parce que Raphaël a dit que bon, on est déjà là, on va. Dans tous les cas, ils vont toujours. C'est bon à prendre, ils vont gagner. Tu vas toujours gagner, il n'y a rien à perdre. Donc vaut mieux jouer à fond et puis voilà. Matin, tu crois? Ah oui, moi j'y crois. Bien que ce soit un peu difficile, mais bon, dans le football, tout est possible. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que nous aimons boule. Coach? Pareil, ça sera difficile, mais on va s'accrocher. Et nous, qu'est-ce que supporter Bayo aussi ? N'est-ce pas, Davy et Jérôme ? La base, supporter à fond ! Voilà, chers amis. Allez, la Ligue, achetez maillot là ! Vraiment. Je m'excuse, je voudrais relever quand même un truc, c'est que la CONCACAF, apparemment, pour la Guadeloupe, ils mettent le drapeau français. Oui. Donc, donc la Guadeloupe joue en tant que nation. Oui, mais il n'y a pas de drapeau de nation Guadeloupe. Elle joue, il n'y a pas encore. Un jour, on sera nation Guadeloupe. Un jour, on sera nation Guadeloupe, peut-être. Mais pour l'instant, oui. De toute façon, que si la Guadeloupe va loin dans la compétition, la Guadeloupe joue en tant que nation. Si elle va loin dans la compétition, il y aura un problème juridique et administratif. Ah ben oui, mais on est français. Ça sera un autre débat. Nous sommes français. Le Suriname n'est pas hollandais et la Jamaïque n'est pas anglaise. Ça sera un autre débat. Je dois respecter. Mais chers amis, c'est un département, c'est pas un pays. C'est un autre débat. Je dois respecter l'émission qui vient juste après. Il y a Harold. Vraiment merci. Gabi, vraiment merci d'être venu. Mata, vraiment merci mon frère. Ça m'a fait plaisir. J'espère te revoir une autre fois. Mais là, tu dois partir. Ton actualité, vite fait en plus, tu dois sortir un album. Oui, j'ai un EP qui sort le 15 juillet. Apéritif, son nom. Déjà disponible en précommande sur les plateformes de streaming. Et voilà, quelques petits clips qui vont sortir pour promouvoir. Et là, tu pars faire une prestation. Et là, je pars là samedi, je pars demain déjà. Mm-hmm. Je pars à Paris, je chante à Saint-Ouen dans une soirée. All right. Donc voilà, ce sont aussi nos jeunes artistes comme nos jeunes sportifs. On les encourage et nous aussi, on aime bien, parce que football et musique, ça toujours aide bien ensemble. Ok. Voilà. Alors, chers amis, merci encore. On se retrouve peut-être dimanche pour certains d'entre vous pour la finale. En attendant, nous, on se retrouve demain et nous, quatre autres, plus que jamais. Ouh là !